cette actualité de février, je commencerai par une belle exposition de l'artiste Guy de Malherbe à la Galerie La Forest Divonne. Guy de Malherbe est un peintre qui vit entre Paris et Poncé-sur-Loire. Il est issu d'une triple culture argentine, britannique et française. Guy de Malherbe a le geste souple, large et rapide. Il peint le ciel à larges gestes et frisote son pinceau pour montrer les ombres et les creux. Il souligne les différentes faces des rochers avec un pinceau plus fin en lignes verticales et parallèles. C'est beau, Guy de Malherbe montre une nature vierge d'humain où seuls les rochers et la mer sont présents. Peu de végétaux, pas d'animaux ni d'humains. Deux mondes qui se côtoient et favorisent la réflexion, les rêves, les imaginaires. La conscience peut-être d'un monde qui disparaît. Point de départ de son travail, des petites toiles carrées, peintes à l'huile sur place lors de ses voyages, en Argentine, en Normandie, à Cadaquès ou ailleurs. Puis, de retour dans son atelier, ce point de départ s'engage dans des constructions plus grandes, avec une intensification de la couleur, car Guy de Malherbe aime la couleur, et on la retrouve dans ses toiles très fortes, entre les bleus du ciel et les verts bleus de la mer, les ocres et les bruns des rochers. Une nature figurative et onirique à la fois, faite d'eau et de minéraux. Une belle exposition qui invite au voyage et à la tranquillité de la nature. Rivage, œuvre de Guy de Malherbe, à la galerie La Forest Divonne, 12 rue des Beaux-Arts dans le 6e arrondissement, du 1er février au 23 mars 2024. Dans le cadre des Nocturnes des Beaux-Arts, la galerie sera ouverte le jeudi 7 février de 18h à 21h. Durant cette exposition, diverses rencontres auront lieu et je vous tiendrai au courant dans de prochaines actualités sur la plateforme YouTube ou et prochainement sur la plateforme Patreon. Au musée d'Orsay, les événements se succèdent tous différents les uns des autres et parfois même surprenants, atypiques. Événements que l'on n'attendrait pas forcément dans un musée réputé lié aux œuvres du XIXe siècle. Alors que se passe-t-il en ce mois de février au musée d'Orsay? D'abord, pour vous préparer à l'exposition 1874 Inventer l'impressionnisme, une conférence au thème Les impressionnistes et les saisons par Alexis Metzger, enseignant-chercheur à l'école de la nature et des paysages de Blois. Alexis Metzger nous expliquera comment les impressionnistes ont montré les différents éléments, le vent, la pluie, les nuages, le soleil, et comment ils ont interprété les différentes saisons. Alexis Metzger insistera sur l'hiver avec ses rigueurs et dont les tableaux seront peut-être une évocation d'un souvenir du fait que les hivers rudes aujourd'hui auraient tendance peut-être à disparaître via le réchauffement climatique. Quoique, les impressionnistes et les saisons, le jeudi 8 février 2024 à 19h, à l'auditorium du musée d'Orsay, entrée 10 € sur place, 12 € par réservation Internet. Mais bien plus fort et plus étonnant sera l'événement qui aura lieu du 11 février au 10 mars 2024. Le musée d'Orsay invite l'artiste Agoria avec un ensemble de manifestations telles que l'art digital, conférences et DJ7, afin d'inviter d'autres publics que les retraités, amateurs d'art et autres touristes à venir au musée et découvrir des œuvres, et aussi pour explorer d'autres formes d'art émergentes. Agoria, acteur de la scène artistique internationale du Web 3, montrera deux œuvres créées en écho aux collections du musée d'Orsay et développées sur la blockchain Tezos. Une première, Lumina, dotée d'une forte dimension poétique, participative et expérimentale, et une seconde, interprétation par Saccharomyces Cerevisiae de l'atelier du peintre de Gustave Courbet, qui unit très étroitement le monde de l'art et celui de la science. Ainsi, vous pourrez créer votre œuvre d'art avec votre souffle et l'emporter avec vous. Cool, non? Mais je reviendrai dans une autre actualité sur cet événement plus en détail. Passons à la conférence qui aura lieu le jeudi 22 février à 19 h à l'auditorium du musée d'Orsay, avec Agoria, Nicolas Desprat et Jean-Baptiste Boulet. Ils vous parleront du regard sur le musée, la place du vivant dans les créations et le lien singulier avec la science dans son processus de création. Cette conférence sera gratuite. Enfin, la soirée DJ7 qui aura lieu le vendredi 23 février 2024 à partir de 20 h 15 dans la nef du musée d'Orsay. Un tarif exceptionnel, 14 € plein tarif et 10 € tarif réduit. En première partie, vous retrouverez pour les fans du DJ7 Naasaya, artiste basé à Paris, cofondateur des événements Aïkou, directeur artistique de Badaboum et membre du mouvement Transmoderna de Dixon à Ibiza. Pour continuer, vous découvrirez en exclusivité le morceau Getaway, une œuvre collective à l'énergie universelle, réunissant 3 styles et 3 générations d'artistes: Madison McFerrin, Agoria et Neil Rogers. À découvrir en avant-première au musée d'Orsay dès le 13 février 2024.